on se moque pas de mon serpentin. Voilà, mais Julissus, je vous souhaite une très bonne année 2016. Voilà, une nouvelle année qui débute. Je suis vraiment contente de franchir cette nouvelle année avec vous. Je vous souhaite bien évidemment la santé parce que c'est indispensable. Je vous souhaite l'amour parce qu'il en faut, des sous parce qu'il en faut aussi, hein, la vie c'est pas gaufrette. Et tout plein de belles aventures, tout plein de rires, de joie, d'émotions, que vos projets aboutissent, que vos projets évoluent, que vos familles grandissent si ça fait partie de vos projets, en tout cas surtout du bonheur, de la joie, de la paix dans vos cœurs et dans la paix de vos et dans vos foyers, dans vos familles, de l'harmonie, voilà, que des bonnes choses, que des bonnes ondes. Je vous envoie tout ça et je vous redis une nouvelle fois une très belle année 2016. Bonne année. Et donc pour on va dire célébrer ce début d'année, il faut bien évidemment revenir sur... C'est bien beau, on avance pour regarder l'avenir, oui, hein, mais il ne faut pas non plus oublier ce qui est passé. Et donc, d'où cette vidéo, ce petit tag. Donc, c'est un tag que j'ai trouvé, enfin, que j'ai vu sur la chaîne de Charlotte Bianchin, pour ceux qui connaissent. Et donc, il permet de revenir sur les étapes, les grands moments de l'année 2015, avec différentes petites questions. Alors, c'est parti. Donc, la première question de ce tag, je l'adore, c'est quel a été le moment le plus embarrassant, oui, c'est ça, le moment le plus embarrassant de l'année 2015. Alors, mon moment le plus embarrassant, je suis pas quelqu'un qui a souffert, la honte, des trucs comme ça, ça va, je gère, mais là, en fait, j'avais rendez-vous avec un garçon, hein, on devait aller voir un film, un truc comme ça, et le rendez-vous était naze, mais... Nul, le garçon n'était pas si intéressant que ça. Et puis je rentre le soir et je raconte aux copines sur WhatsApp. Et donc Sana me dit alors machin. Et puis je fais raconte à Sana WhatsApp. Je dis ouais non franchement c'était nul. En plus je dis le nom du garçon, tu vois. Tu lui étais même pas marrant, machin, et tout. Je dis la totale, je raconte tout. Je lâche le bouton et je vois, je regarde mon écran et je vois, je reçois un WhatsApp de Sana. Je dis mais comment ça se fait si je suis sur l'écran de conversation avec elle, pourquoi je reçois une notification? Et en fait, j'ai envoyé le message au garçon. J'ai envoyé le vocal. Oh, ce soir-là, dans mon lit, je crois que je me suis mis sous la couette. J'étais là, non. Et puis je raconte à Sana. Et elle est morte de rire. Elle me dit, oh, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis après, en plus, tu vois, quand les deux petites flèches deviennent bleues, puis tu dis encore, je sais pas, j'avais l'impression que mon lit, ça devenait un grand gouffre. Je tombais, j'étais là, non. Et puis il me dit, à qui tu voulais raconter ça? Je dis non, rien. J'ai plus jamais eu les nouvelles de ce mec. J'ai plus jamais entendu parler de lui. Je l'ai croisé une fois. Il m'a dit bonjour, c'est tout. Et voilà. Ça, c'était le moment le plus embarrassant de 2015. Hein, et on en rigole encore pas mal. Et puis voilà. Maintenant, le plus bel accomplissement de 2015. Alors, le plus bel accomplissement 2015, ça a été une belle année. Je suis contente de mon année 2015, ne serait-ce que par rapport à mes voyages, à mes rencontres. Mais je crois que le plus bel accomplissement de cette année, ça a été de faire ma journée éphémère. Donc la journée éphémère qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, donc en décembre, là, en fin d'année, le 19 décembre. Parce que ça a été, c'est quelque chose que j'avais réfléchi sur toute une année. C'était vraiment pour moi, on va dire, une prise de risque dans le sens sortir les produits des tiroirs. Voilà, ça, Julissus Cosmétiques. En plus d'être sur le site, devenait physique en fait, devenait réel, voir les produits comme ça, voir les clientes venir, regarder, toucher, pouvoir vous maquiller, non plus avec les produits MAC comme je faisais avant parce que j'étais en boutique MAC, mais dans ma boutique, même si elle était éphémère, dans ma boutique, pouvoir vous conseiller, vous maquiller, vous dire attends, j'ai un petit rouge à lèvres qui va t'aller. Et ça franchement, ça a été du boulot, de la préparation et du stress. Et je suis contente, vraiment contente, parce que ça s'est très bien passé. Vous étiez très contente et ça m'a super motivée à ouvrir une boutique Julissus Cosmétiques. Vous êtes nombreuses à me dire, c'est quand la boutique? Bon, ben, si c'était si facile, j'en aurais déjà au moins 15. Mais voilà, ça m'a boostée. Et puis vous voir, et puis celles qui sont passées juste pour voir et pour dire qu'elles aiment. Voilà, ça a été vraiment génial. Et donc je vous remercie toutes celles qui sont venues, toutes celles qui n'ont pas pu et qui voulaient. Ben, je vous fais des gros bisous aussi. Et voilà, mon plus... Bon, il y en a eu plein d'autres, hein, mais je veux dire, le plus gros truc pour moi, ça a été ça, ma boutique éphémère, et voir la fierté dans les yeux de ma maman. Et c'est voilà, je pense que je fais ça à 70% ben pour qu'elle soit fière de moi, et le reste, c'est ben, c'est ma motivation, quoi. Mais ça fait partie, en gros, voilà, pouvoir
voir cette fierté dans ses yeux, j'étais toute contente. Et donc voilà, c'était mon plus gros, ça m'émeut encore d'en parler parce que franchement c'était mon petit bébé Julicious Cosmetics en plus qui a fêté ses 2 ans et voilà, qui devient physique et puis bon bah, pourvu que ça dure. Le meilleur souvenir de l'année 2015, alors il y en a eu plein, mais je crois ce qui me fait encore le plus mourir de rire, je dirais qu'il y en a deux, c'était pendant le voyage. Alors le meilleur souvenir, ça a été le premier à Los Angeles quand nous sommes partis avec Sana, quand on a découvert la voiture et qu'on a mis 1 heure à chercher le frein à main et à démarrer. Ça, j'en meurs encore de rire et je suis contente qu'on ait filmé ça parce que suffit que je mette les images et je suis encore... Oh, je nous revois là en train de chercher mais c'est où et puis partir sur les grandes routes américaines et se dire mais on va faire comment, on n'a pas de GPS, enfin, ça c'était bien, déjà toutes les vacances à Los Angeles déjà c'était génial. Et enfin deuxième souvenir, ben encore des vacances, encore avec les filles, là, il y a cette fois-ci, c'est avec Piquebou, quand ben, j'ai roulé sur sa... sa crème bronzante, et que je devais lui dire après dans la chambre d'hôtel avec son « Arrête !» Alors ça c'est épique, je pense qu'il faudrait le faire en sonnerie portable, et voilà, je crois que ce sont les deux meilleurs pour rire souvenirs de l'année 2015. Pas mal aussi la vidéo que j'ai tournée avec Michael, on s'est cassé le ventre de rire parce que tu devais me maquiller et voilà, en gros des meilleurs souvenirs c'est des fous rires, hein, c'est tout, voilà. Le plus gros obstacle de l'année 2015, et ben en fait il y en a un petit peu tous les jours, ce qui fait que je dirais pas que c'est un seul gros obstacle. Ben c'est toujours par rapport à Julicious Cosmetics, savoir gérer les choses, savoir comment ça va se goupiller, parce que non, par exemple quand tu travailles, quand une boutique qui est déjà bien installée, qui est rodée, qui hein, elle a des chiffres sur l'année d'avant, elle sait comment va évoluer ses ventes, etc., comment ça va se passer. Moi je suis encore dans la période où c'est flou, où j'y vais, où je me dis ça passe ou ça casse. Il y a des mois où je peux me dire ah, tu sais pas en fait au début du mois comment ça se passe et il faut que tu fasses avancer ton petit bébé, que tu fasses au fur et à mesure, que tu manges aussi hein. Si à la fin du mois il y a 0 vente, et ben je ne mange pas, je paye pas le loyer. Donc je dirais que c'est ça, puisque je suis vraiment passée du stade où je faisais du Julicious Cosmetics en étant en même temps chez Mac, et au stade où il n'y a plus Mac et où il y a juste Julicious Cosmetics. Et en gros, je dirais pas que c'est un obstacle, mais c'est ça le gros défi, et le faire évoluer. Après, on pourrait dire que la journée éphémère a été... la journée éphémère et ces fêtes de fin d'année, gérer les envois des commandes et gérer la journée éphémère, ça a été, je veux dire, la petite période de stress pour me dire est-ce que je vais arriver à envoyer tout, etc. Mais voilà. Ça fait partie du jeu quoi, et puis bon c'est ça aussi qui fait que tu te motives et que tu es stimulé, parce que du coup chaque jour tu dis ah est-ce que je vais y arriver machin, et puis tu y arrives et puis tu es boosté, tu es content et tu continues à monter les étapes. Voilà, en gros c'est l'obstacle de l'année 2015. Question suivante, ton regret de l'année 2015. Alors je suis pas quelqu'un qui regrette beaucoup, dans le sens où quand je fais quelque chose je l'ai souvent réfléchi très longtemps avant, ou en tout cas quand c'est fait, si je l'ai fait il y avait une raison, que ce soit des choses bien ou des choses moins bien, hein. C'est-à-dire, par exemple, cesser de parler à quelqu'un ou mettre quelqu'un de côté, ou voilà, je regrette très rarement. Après, ce que je vais regretter, c'est pas d'avoir fait, c'est plutôt de n'avoir pas fait. Et donc, j'ai pas de vrais exemples en fait. Ce que je regrette peut-être d'avoir manqué de temps pour faire certaines vidéos, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de sujets que je voulais aborder avec vous, que je n'ai pas eu le temps de faire, et puis voilà, en vrai comme regret, parce que comme je dis, je pense que quand on fait les choses, si tu réfléchis suffisamment bien aux choses, et ben voilà, tu t'as pas à regretter d'avoir fait ce que tu as fait, si tu sais que tu as bien agi, que tu as agi bien dans le cas, dans le moment, ben normalement il n'y a pas à avoir de regrets, hein. Comme je vous dis, juste peut-être le regret d'avoir manqué de temps pour faire certaines choses, ou de n'avoir pas... Ah, c'est pas fini, le jeu n'est pas fini, on peut continuer jusqu'au bout, donc ça veut pas dire que ce que je n'ai pas fait, je pourrais pas le faire. C'est la leçon apprise en 2015. La leçon que j'ai apprise et que je le savais déjà, mais que ça m'a encore fortifié, c'est les mamans ont toujours raison. Alors je mets des guillemets sur le toujours parce qu'elle se trompe, mais qu'il faut toujours quelque part écouter ma maman. En fait,
nos mamans, ma mère en particulier, ben, parce que je connais que la mienne, hein, elle a, je sais pas si c'est un don ou si c'est toutes les mamans qui ont ça, mais elle a ce don, ce truc de te faire voir dans l'avenir, de te, enfin, par exemple, si c'est la première personne, tu vas lui ramener une nouvelle amie, une nouvelle copine, elle va dire, tu vas savoir à sa tête, elle va pas forcément t'influencer en disant cette fille-là elle est pas bien ou machin ou chose. Non, elle va un jour elle va dire un petit pic du style, fais attention machin, et bim, elles ont toujours raison, même si c'est des années plus tard ce qu'elles ont dit, et ben c'est vrai. Et alors je sais pas. Et là où je me suis dit, mais maman, c'est mort, dès qu'elle me dit un truc, c'est jusqu'à la vie, j'écoute. Alors des fois, t'aimes bien faire ta tête de mule, mais elles ont toujours raison. Et c'est quand il y a eu les attentats, elle m'a hallucinée, parce que d'habitude, bon, c'est un vendredi soir, je sors tous les vendredis soirs, hein, fille de la night, et elle était à la maison, et je la vois, elle part travailler. Donc je lui dis, mais tu vas où? On dit, je vais travailler. Je dis, mais en gros, je suis toute seule ce soir, quoi. Elle me dit, bah ouais. Je dis, bah si c'est ça, je sors. Et là, elle me dit, bah non. Enfin, elle me dit, tu peux rester chez toi, tranquillement. Alors que d'habitude, elle m'aurait dit, mais oui, elle va t'éclater, appelle Sana, appelle Jen, appelle Michael, allez faire la fête et tout. Elle m'aurait dit ça. Et là, elle me dit, non, mais reste chez toi, tranquillement. Et puis je dis, oh, t'es dégueulasse. Toi, tu pars tranquillement, tu vas voir tes collègues, et moi, je dois rester à la maison à regarder les murs. Et elle me dit, mais non, ma chérie, t'inquiète pas, j'arrive demain matin, on va rigoler ensemble demain matin, tu peux rester là tranquillement. En plus, c'était un jour où il faisait pas trop froid, il n'y avait aucune raison valable pour que je reste à la maison à rien faire. Et elle me dit, tranquillement, elle me dit, non, mais reste là, t'inquiète pas, reste là. La soirée passe, elle avance, elle part, elle m'appelle pour me dire, non, mais alors, t'as décidé quoi, tu restes là, hein? Je dis, mais maman, c'est bon, je verrai tout à l'heure si je sors, mais en gros, moi, j'allais sortir à la base. En plus, là où j'allais sortir, c'est, je vais au Bizarre très souvent, donc le Bizarre, c'est la rue à côté de là où se passaient les attentats, hein. Enfin pas très loin en tout cas, et que ce soit le Stade de France, je passe devant le Stade de France pour aller vers Bizarre. Et donc, 22h, je me dis vas-y, je me pose dans le canapé, je vais me poser dans le canapé, et vers 23h, je vais partir et tout. Et là, 22h et quelques, Diane qui m'envoie, regarde ta télé BFM, oh, je suis devenue blanche, je crois que je suis devenue blanche parce que je me dis mais mince, qu'est-ce qui a fait dire à ma mère de me dire de rester là, quoi? Parce que en temps normal, je serais déjà partie. Et comme elle m'a dit reste là, je me suis dit bon, je verrai si je suis motivée pour partir à 23h. Mais oh, et j'ai appelé tout de suite. Je lui ai dit maman, t'inquiète pas, je suis restée à la maison. Merci de m'avoir dit de rester là. Ne panique pas, je suis à la maison au calme. Et mais qu'est-ce qui t'a fait me dire reste là, quoi? Et souvent, elle me fait des trucs comme ça. Souvent, elle me fait des petits trucs comme si elle voit dans l'avenir, elle me fait peur des fois. Donc en gros, voilà. La leçon donc pour vous dire tout ça, c'est les mamans sont en or, leurs paroles sont en or encore plus, et qu'il faut écouter les mamans parce qu'elles ont raison. Et généralement, même si elles nous saoulent, hein, des fois, c'est toujours notre bien qu'elles veulent, donc la majorité du temps, elles ont raison. Et elles ont un don, voilà. C'est la leçon 2015, top de produits de beauté 2015. Alors, je ne vais pas en citer beaucoup parce que je vous ai préparé une vidéo des awards beauté 2015. Mais en gros, mon produit chouchou, ça a été la poudre miracle Sephora, entre autres. Ça a été mon sérum à la fraise de The Balm. Mais de toute façon, je vous le dis comme ça parce que je vous en reparlerai après. Ça a été l'huile anti-eau de Clarins. C'est magique ce truc. T'as les jambes gonflées, tu mets l'huile aux yeux, t'as les jambes plus gonflées, c'est fini, et t'as les jambes plus gonflées, et dégonflées, et c'est génial ce truc-là. En termes de cheveux, ben, vous le savez, je vous en parle tout le temps, c'était le spray au Monoi de Carol Daughters. Et enfin, ben, je vais vous citer que ça, hein, je crois. Dans les produits que j'ai le plus aimé en 2015, voilà, ce sont ces quatre-là. De toute façon, je vous ai préparé la vidéo des awards, donc à venir, à suivre. Dernière question, quels sont tes objectifs 2016? Donc les objectifs pour 2016, vous savez, j'ai la tête pleine de rêves, pleine de belles aventures. Dans les objectifs, ben, de continuer à faire grandir du Lucius Cosmétique le plus possible, hein, ça c'est sûr. Pourquoi pas changer de voiture? J'aimerais bien, j'ai un petit modèle que j'ai en tête et ma petite Twingette commence à se faire vieille. Voilà, et puis on aimerait bien avec les copines faire un nouveau voyage, genre, vous savez, voyage genre destination où on se dit toujours j'irai avec mon mari. Non, non. Et si un jour on n'a jamais de mari, hein,
la destination à faire avec les copines, genre Hawaï, Tahiti, les Bahamas, ça on aimerait bien. Et puis après, je vous dis pas la suite parce que les meilleurs projets se font en silence. Et en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est bah, rendez-vous en 2016 pour voir tout ça. Hein, bon, voilà, voilà. C'était notre petite tag est terminée. Je vous laisse me dire, vous, quel a été le moment le plus embarrassant de l'année 2015. On triche pas, hein. De toute façon, bon, c'est à l'écrit, vous pouvez me dire, hein, ça reste entre nous. En tout cas, mes doulissous, je vous souhaite encore une nouvelle fois une très belle année 2016. Plein de bonheur, plein de bisous, pourvu qu'on ait encore plein de vidéos. Ah oui, dans les objectifs, peut-être vous faire des vidéos un petit peu plus régulièrement. Je sais, mais j'aimerais avoir un peu plus de temps pour vous faire... On va essayer tout ça. En tout cas, mes doulissous, prenez soin de vous. Et à très vite. Ciao, ciao.